Bienvenue au château d'Escalbec. On est en pleine Flandre, en Haute-Flandre. Et nous sommes sur un site qui est classé monument historique depuis 1987. C'est un des derniers joyaux flamands qui est typique de l'architecture de la Renaissance en Flandre. Depuis 1984, qui est la date de la chute du donjon, le château a été déserté. Et depuis 35 ans, finalement, laissé à l'abandon. Et depuis 9 mois, j'ai décidé de reprendre la propriété en main pour la reconstruire, l'animer et lui redonner vie. Par des animations, donc j'anime, on fait aussi bien des balades au flambeau que des expositions. On invite des artistes en résidence et on invite le public à découvrir aussi ces jardins Renaissance qui sont des jardins assez rares. Et donc depuis 9 mois, on a travaillé dur pour remettre les jardins en état, avec des amis, des équipes d'insertion professionnelle qui sont venues nous prêter main forte. Et voilà, le fruit de tous ces efforts a été, on a gagné deux prix, le prix Villandry et le prix de la Fondation Lelous, qui vont nous permettre de mener à bien deux projets. Le premier pour le prix Villandry et la reconstruction de la serre qui se trouve dans le jardin, qui est une serre qui a été construite en 1860 et qu'on va pouvoir reconstruire. Et le deuxième projet qu'on veut mener en 2018, c'est le dévasement de ces douves sur lesquelles on est, sur lesquelles on se balade. On arrive encore à faire un petit tour de barque, mais comme on peut voir, l'envasement est tel que ça mange sur les douves et qu'on va bientôt ne plus pouvoir s'y promener. Donc on remercie nos mécènes qui vont nous permettre de mener à bien nos projets qui sont en cours d'études et qu'on va pouvoir mener en 2018.